Et yap les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est un truc de vidéo pour montrer la toute nouvelle véhicule Lowrider qui vient de sortir. Donc c'est la D-Class Tornado. Donc c'est une sportive classique. Donc on va directement aller la customiser. Donc tout à enlever sur internet pour montrer où l'acheter. Donc c'est chez Benny Original Motorwork. Stock. Et là, elle est juste là. Donc là, et elle coûte 30 000. Donc là, hop là, je vais directement aller la customiser. Hop là, transformation 375 000, donc c'est assez cher même. Donc c'est assez excessif. Mais bon, après, elle en vaut vraiment le coup. Frein, je vais maximum. Pare-choc, pare-choc avant, pare-choc dans chromé, pare-choc barre chromé. Je vais mettre barre chromé, hein. Pare-choc arrière. On va mettre celui avec le motif. Ah, j'avais quoi, c'est écrit ouais, on va mettre celui-là. Il est pas mal. Châssis, L. Hop là, qu'est-ce qu'on peut prendre? J'ai envie de prendre celui-ci. Ouais, celui-ci, il est pas mal, j'ai envie de dire. Décoration chromée. Tac, on prend celui-là. Antenne. Antenne classique, grande antenne. Antenne à boule. On prend celle à boule, ouais, pas mal, hein. Finition. Que motif. Oui, je sais que ça, je vois laquelle c'est. Belle courbe. J'ai vu qu'on pouvait prendre belle courbe, donc je vais prendre belle courbe. Tac, réservoir. Réservoir à motif. Tac. Donc voilà. Moteur. Bloc moteur. Donc là, je peux mettre de bloc moteur. Hop là. Filtre à air non plus. Réglage moteur au max. Tac. Échappement. Donc, triple échappement latéral, double échappement tube latéral, double échappement et quadruple échappement. Donc, quadruple. Tac. On va prendre bien celui-là. Latéral. Ouais. Je vais mettre le latéral. Les ailes. Donc, ah ouais, ça fait son petit style comme ça. Donc, je vais mettre les ornements. Tac. Capot. Donc, alors. Motif sous le capot, ouais, je vais prendre ouais en chromé, j'aime bien le chromé, donc voilà. Pompe hydraulique, je vais la mettre en pompe hydraulique, hein, normal. Tac. Habitacle, la finition, aménagement intérieur, ouais. Tac, alors. Ouais, y a pas. Je verrai plus tard pour les. Pour la couleur, c'est pareil, je verrai plus tard. Ouais, je verrai plus tard. Donc. Hop là, excuse-moi. Décoration, figurine. Je sais pas si on a des nouveaux. Ouais, non, on a pas des nouveaux. Je vais prendre. Ouais, celui-là est pas mal. Tableau de bord. Un motif. Je vais mettre celui-là qui est pas trop mal. Ouais, c'est ici. Cadran. Alors, en cadran. Un truc qui s'est bien, parce que je sais bien que le volant va être assez chiant. Ouais, je vais mettre le blanc. Hein. Tac, volant. Je vais pas en mettre un 3 imposant. J'aime bien avoir le compteur. Voilà. Donc, je vais prendre. Ouais, ça me plaît pas mal. Excuse-moi. Donc, ça me plaît pas mal. Le kit de vitesse. Ça fait. Si. Rubis. Je sais pas s'il était avant le rubis. Le piston. C'est cool. Non, je vais mettre celui-là. Piston. Plaque décorative. Je vais mettre. Ouais, comme c'est pas mal. Couleur éclairage. Blanc givre comme ça. Je vais mettre un truc qui pète bien. Ouais, le rouge, tac. Voilà, éclairage. Donc phare. Phare Xénon, bien sûr, hein. Normal. Motif. Donc là, je vais mettre celle-ci. Hop là,
que j'ai bien. Belle courbe. Oh là. Plaque. Porte-plaque. Oui, on va pas se mettre avec ça. Voilà, c'est avec des plaques. Peinture. Couleur principale. Un crew. Ah ouais, ça. Ouais, je sais pas si le crew. Ah ouais, comme ça là. Ok. Alors, attendez. Ah ouais, en vue. Mauve shafter. Ah ouais, mauve shafter. Ah, ça pèse, non? Je le mets mauve shafter. Mauve shafter. Voilà. Je sais pas si je peux mettre du nacré avec. Ah ouais. Bon, j'ai pas fait le petit glitch. C'est pas grave. Couleur finition, du coup. Comme je l'ai mis en rose, je vais changer. Tête. Je sais pas, je vais peut-être le mettre en noir. Donc je vais voir. Ou en rose. Attends, ça fait trop rose après. Je sais pas, attendez. Je vais voir ce qu'il y a un petit peu. Je veux pas que ça fasse trop long, donc je me dépêche. Ouais, non, je vais mettre en blanc. Ouais, non, en noir. Voilà, on va laisser en noir. Voilà. Toi. Donc là, on a bien haut, toi. Toi, tigre. Ah, bah attendez, je vais l'avoir sur la peinture. Alors, excusez-moi. Couleur finition. On va mettre ça. Oh. Et je vais mettre ça en rose. Allez, mauve. Ok, mettre ça. Après, il n'y a pas le mauve. Je vois pas. Mettre ça en violet. Alors, attendez. Ouais, non, je vais laisser ça comme ça. Toi, Crocro. Transmission. Transmission de course, un coffre. Voilà. On va mettre ça. Turbo. Niveau de roue. Création de. Ouais. Je vais pas non plus acheter des trucs hyper chers. Attendez. Ça, je trouve ça. Je regarde ce qu'il y a, mais ça va être pas mal comme ça. Celui-là aussi. Alors. Ouais, non, je vais prendre celui-ci comme ça. Pas mal. 44 000, voilà. Fenêtre. Hop là. Et puis là, on a fini. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble la déclasse Tornado. Donc elle est pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.